Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je viens vous parler du tome 1 des Sœurs Carmine, Le complot des corbons, un roman écrit par Ariel Holz, publié chez Mnemos dans la collection Laos. Donc, c'est une trilogie, le tome 2 est sorti au mois de novembre et on va découvrir l'histoire des trois sœurs Carmine. Dans le tome 1, on se penche principalement sur Mary Ware qui est la cadette. Tout d'abord, les sœurs Carmine, qui sont-elles? Il y a, comme je vous disais, Mary Ware, il y a également Tristabel qui est l'aînée et Dolorine qui est la Benjamin. Mary Ware est une monte en l'air, c'est-à-dire que c'est une voleuse. Elle vit à Grisaille, c'est vraiment une ville que l'on pourrait imaginer dans un univers de Tim Burton. C'est gris, c'est sombre, il y a des vols à tire-larigot, il y a des assassinats. Bon, il fait pas très bon d'y vivre, on va dire, et puis il y a pas mal de choses cachées. Et la ville est découpée en 8 quartiers, dirigés soit par des nécromants, soit par des vampires. Donc du coup, voilà, ça vous met dans une ambiance plutôt gothique, qui est très très bien retranscrite avec la jolie plume d'Ariel Holz. Au début du roman, en fait, on la découvre avec sa sœur aînée dans un cimetière. Sa sœur est en train de dragouiller, puisque c'est un peu son point fort. Son point fort, c'est qu'elle est très très belle et qu'elle arrive apparemment assez facilement à ses fins. Donc là, elle se sert de deux hommes, en fait, qui vont creuser une tombe pour que Mary Ware puisse récupérer un objet sur l'une des personnes enterrées. L'intrigue va tourner un petit peu tout autour de ça et en fait on va découvrir que Mary Ware, en faisant ce larcin, va se retrouver dans la merde. Il y a pas mal de choses qui se passent, c'est plutôt très rigolo en fait, c'est un univers complètement décalé. C'est pas un roman qui fait peur, mais c'est vraiment un roman plein d'action, plein de rebondissements, où on va suivre l'histoire des sœurs en fait, donc principalement Mary Ware, mais on va également se pencher un petit peu sur Tristabel, que l'on retrouvera en héroïne principale dans le tome 2. Donc Tristabel, qui est une très belle femme, qui est très arrogante, très prétentieuse, très volubile, et en gros qui s'en fout de ce qui se passe du reste du monde, puisque seule sa petite personne l'intéresse, et ça m'a fait beaucoup rire, mais en même temps ça m'a agacée. Donc j'ai une petite impréhension à commencer le tome 2, mais je me dis que je pense quand même que Ariel va nous réserver de belles surprises dans cette suite. Et enfin, il y a Dolorine, comme je vous le disais dans mon bilan lecture, qui est mon petit coup de cœur, puisque elle a 8 ans et qu'elle est hyper attendrissante, hyper choupinette, elle est trop trop chou, je vous jure. Et elle, en fait, elle a comme particularité de voir les fantômes, de leur parler, et elle a également tout le temps sur elle, c'est un petit peu son doudou qui s'appelle Monsieur Nyx, c'est une poupée. Sauf que c'est une poupée faite avec des cheveux de psychopathe, donc la poupée est encore, elle a une âme et une conscience, et cette poupée psychopathe, elle va donner des mauvaises idées à Dolorine, mais qui elle, par son jeune âge, ne va pas les comprendre. Donc là on a droit à des super jeux de mots, voilà, pas mal de situations cocasses, c'est assez absurde, c'est très rigolo, ça fait beaucoup rire, ça montre à quel point Ariel a pousser les caractéristiques de ces personnages au maximum en fait, et voilà, les a rendus très comiques. Et Dolorine, c'est Dolorine, franchement je ne sais pas si quelqu'un qui a lu le livre n'a pas pu tomber sous le charme de cette petite fille, tellement elle est innocente et tellement elle est toute mignonne. Et voilà, et en fait je revois toutes les scènes avec elle et c'est juste trop chou. Donc moi je l'ai lu en e-book, par contre j'ai vu en magasin que dans le livre il y a certains passages où c'est Dolorine qui parle et il y a des petits dessins en fait, parce qu'on entre dans son journal intime qui est interdit à ses sœurs, et du coup voilà, elle fait des petits dessins, elle fait des petits messages, et la façon dont elle parle est vraiment naturelle en fait. Il a réussi, d'ailleurs c'est un point fort, c'est que quand c'est Dolorine qui parle, et on lit son journal comme on écoute parler un enfant de 8 ans. Et c'est ça qui rend l'enfant aussi attachante. Les pages se tournent très très vite parce qu'on est pris dans l'histoire, on est pris dans cette ambiance de grisaille. C'est vraiment génial. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du prix littéraire de l'imaginaire. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman. Si jamais c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas le cas, j'espère que j'aurai éveillé votre curiosité. Et puis, avant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et prenez soin de vous. Bye !